Bon, ça c'est son couteau. La confiture et le beurre. Voilà, j'oublie rien. Bah, c'est le jus d'orange, je suis bête. Voilà. C'est plein de vitamines, c'est excellent. Bon, voyons voir. Bah oui, les fleurs, mon Dieu. Ouais, j'ai donc la tête, moi aussi. Oh, est-ce que je suis nerveux ce matin? Bah oui, bah alors. Bon, bah voilà. Les fers, impeccable. Bon, et puis qu'attends. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire encore? Je sais pas si j'en les toasts ou pas, moi. Enfin bon. Oh, c'est pas possible, ça. Je l'entends pas. Les fruits, tout est là. Est-ce que je me sens nerveuse? C'est-à-dire que tu prépares un petit déjeuner pour une femme, pas toujours facile. Oh, il me tarde de voir la tête qu'elle va faire. Bonjour, Gérard. Ben, mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que t'étais dans ton petit lit encore. Ben non. Bonjour, ma chérie. Ben, je me suis levée plus tôt pour aller t'acheter des croissants. Des croissants? J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ah ben oui, tu penses. Enfin, ça veut dire que c'est drôle, comment on a eu la même idée. Par contre, moi, ce matin, je me suis levée tôt pour préparer un petit déjeuner aussi. C'est drôle. Ben, ça prouve qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, c'est vrai. Tu sais, si on m'avait dit que de vivre avec une femme, ce serait aussi sympa, ben... Bon, allez, j'ai faim. Oui, allez. Alors, t'es où, café? Café. Ah, mais t'y penses pas? Mais non, le café, c'est mauvais pour la santé. Écoute, ça rend nerveuse. Avec toutes les bonnes femmes que j'ai en bas, non, j'aurai jamais la patience. Pauvre Gérard. Mais pourquoi tu dis ça? Mais non, faut pas dire ça. J'ai plutôt un petit boulot sympa. Puis regarde l'appartement, il est magnifique. En plus, je partage avec une fille adorable. Moi aussi, j'ai de la chance. J'ai un appartement super que je partage avec un garçon génial. On me dit pas ça, écoute, ça me fait rougir. Tu sais, Adeline, ben depuis que je vis avec toi, ça a complètement bouleversé ma vie. C'est vrai, regarde, hier soir, on a passé une super soirée tous les deux, non? Oui, pourtant, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a dîné, t'as regardé la télé, puis moi, je suis allée potasser mes cours. Ben oui, c'était idiot tout ça, mais bon, moi, j'ai trouvé ça super. Oui, et puis l'essentiel, c'est que tu t'entendes bien avec Daniel, quoi, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, ça, j'ai remarqué, dis-donc, elle a pas quitté mon lit de la nuit. Non, c'est pas vrai. Pourtant, je lui avais l'interdit. T'as pas dérangé au moins? Ah non, pas du tout, j'adore les animaux. Oh là là, dis donc, on parle, mais... Oh mais quoi? Ah, oh, faut que j'aille à mes cours, moi, je vais... Non, mais attends, écoute. Et ton thé, t'as même pas fini ton thé? Bah oui, attention. Ah oui, maman m'a toujours dit, pour étudier, fallait voir le ventre bien. Enfin, t'as pas fini. Il reste encore un peu au fond de la tasse. Merci, Gérard. Bonne journée à toi. Elle est merveilleuse. Je n'oublierai pas ce que c'est une femme. Ouais. Puis voilà, on a encore oublié quelque chose. Ça, c'est bien une femme, ça. En plus, elle n'a pas ses clés. C'est terrible, ça. Salut. Bonjour. C'est bien l'appartement d'Adeline, ici? Oui, enfin, d'Adeline et puis le mien aussi. Ah, parce que vous vivez ensemble? Ben oui. Ben, je vous félicite. On peut pas dire qu'on s'éclate avec des biscottes au beurre allégé trempés dans du thé citron sans sucre, hein. Oui, mais bon, l'été arrive, on n'a pas le choix. Mais pourquoi est-ce que les hommes n'aiment pas les grosses? Les hommes. Quoi, ah, les hommes? T'as l'air bien négatif, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien du tout, moi. Toi, t'as un chagrin d'amour. Pourquoi tu dis ça? Expérience, ma chérie. Qu'on est dans cet état-là, en général, c'est que c'est un chagrin d'amour. C'est bien vrai. Mais vous racontez n'importe quoi, toutes les deux. Je suis pas dans un état particulier, puis de toute façon, c'est mon problème. Eh ben, dis donc, quel caractère, décidément, ça arrange pas. Vincent, dépêche-toi! Oh, fiche-lui la paix à ton fils. J'arrête pas de l'attendre. Oh. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, mais crie pas comme ça, ça résonne dans ma tête. Toi, si tu te couchais plus tôt le soir, ça te résonnerait moins dans la tête. Mais où est-ce qu'il est? Bah où tu veux qu'il soit, il est dans la salle de bain, c'est tout. Dans la salle de bain, depuis bah oui. Trois quarts d'heure dans la salle de bain. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer dans la salle de bain depuis trois quarts d'heure, je te le demande. Bah tu sais, les enfants à cet âge-là... Bon bah je préfère me taire parce qu'autrement tu vas encore hurler. Qu'est-ce que tu veux dire là? Ah non, attendez. Non, non, mais rien, il se lave. Alors, depuis trois quarts d'heure, il va être très propre. Qu'est-ce que tu sous-entends exactement? Non, mais pitié, non, on arrête. Pas de chamaillerie dès le petit-déj, parce que surtout en période de régime, moi je sens que je vais pas tenir le coup. Bon, c'est d'accord.
Vous avez la chance, je suis pressée. Les enfants, c'est toujours la même chose, c'est quand on est pressé qu'ils sont à temps. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, te voilà quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessée, mon chéri? Non, je me suis un peu coupée. T'es coupée? Mais avec quoi t'es-tu coupée? Ben, en me rasant. En te rasant? Et depuis quand tu te rases? Ben, depuis ce matin. Depuis ce matin. Claire, je sais pas si tu te souviens, mais la plupart des hommes font ça tous les matins. Merci, ma chérie, pour le... Je ne sais pas si tu te souviens. Mais en l'occurrence, là, ça n'a aucun rapport, parce que Vincent n'a pas encore de petits poils. Mais si, j'en ai là. Où juste ça là. Tu vas pas voir? Oh, mon petit bébé, t'es doux comme un petit chat. Mais je te jure, mon... Vincent, tais-toi, tu me fais trop rire. Arrête de dire des bêtises. Attends, Claire. Sincèrement, tu sais que c'est quand même des trucs qui arrivent à son âge, hein. C'est possible après tout. Oh, mais je l'aurais remarqué chez sa maman, voyons. Ah, mais oui, mais c'est vrai que ça commence à venir. Bah, tu vois, je te l'avais dit. Puis si je la rase pas, elle poussera jamais. Il a raison. Oh, évidemment, toi, tu trouves toujours qu'il a raison. Ah, mon chéri, à propos, avec quel instrument t'es-tu rasé? Bah, avec ton rasoir. C'est le seul que j'ai trouvé ici. Mais c'est avec pas terrible, là, ces trucs de bonne femme, hein. C'est... Bah, voyons, on réglera ça plus tard. Je suis pressée. Dépêche-toi, il faut que je t'emmène au lycée, allez, viens. Non, c'est bon, j'y cours plus tard, mon prof de jury est malade. Ah bon, c'est vrai, ça? Dis, Claire, tu peux me déposer, parce que si je prends le métro, ça va encore résonner dans ma tête. Bon, dépêche-toi, alors. Karen, je compte sur toi, tu me l'emmènes au lycée. Oh, t'inquiète pas, pas de problème. Salut, les filles. Oh, est-ce qu'elle peut être fatigante? Oh, t'exagères. Tu sais très bien que c'est juste parce qu'elle t'aime, c'est tout. Ouais, tu crois? Bon, bien sûr. En tout cas, maintenant qu'elle vient de partir, je peux quand même te le dire, je suis complètement de l'avis de ta mère. Pourquoi tu veux te raser? En fait, on n'a pas vraiment besoin. Oui, je sais, mais j'ai entendu dire que si je la rasais pas, elle pousserait jamais, alors faut bien que je la rase. Ah ouais, t'es si pressée que ça qu'elle pousse, toi? Bah, tu m'étonnes. Attends, Vincent, t'es vraiment pressée de devenir plus vieux? Ouais, mais tu sais, l'âge ingrat, c'est moyen, quand même, et puis c'est bien de passer à autre chose. Non, je dis pas le contraire, mais va pas trop vite, quand même. Profite de l'adolescence. Ouais. Tu sais que t'as tout le temps de devenir un homme. Oui, t'as raison. Il en a de la chance, j'ai hâte d'habiter avec Adeline. Ah, voilà. Ça y est, vous avez terminé, là? Oui. Ça y est. Bah, c'est pas des éplucheurs de cacahuètes que je vois près du bar? Ah oui, c'est des épluches. Excusez-moi, je les avais pas vues. Je comprends pas ça, ça fait trois quarts d'heure que vous passez à l'aspirateur et vous voyez pas les épluches de cacahuètes près du bar. Vous êtes Miro? Ah oui, non, je reconnais, c'est ma faute, mais vous savez, faut pas m'en vouloir. Moi, j'ai pas l'habitude. Chez moi, ce sont les domestiques qui font ce genre de choses. Ouais, ça va vous changer, vous allez voir, ça va vous changer. Oui. Et après, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le salon, c'est presque terminé. Ma chambre, c'est fait. Oui. La petite lessive à la main aussi. Mm-hmm. Ben, il reste le carrelage dans la cuisine. Ah oui? Avec un balai puchardou? J'allais vous le proposer! D'accord! Ah, ma chérie. Pas une petite tente, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je fais une petite pause avant d'attaquer le carrelage de la cuisine. Une petite pause. Bah, pas trop longue, parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Oh, je sais. Je sais, vous êtes un romancier avant tout. Oui. Vous savez qu'en fin de compte, ça me déplaît pas du tout d'écrire des messages rédactionnels pour vos produits. Oh, c'est vrai. Oh, j'aime tellement ce que vous faites. C'est punch, c'est vrai, c'est juste accrocheur comme il faut. C'est vrai. Juste... Oh, d'ailleurs, j'ai un autre slogan, là. Oui. Il n'y a pas que les sorcières qui aiment les balais quand ce sont des balais pichardos. Oui. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'associer l'image de la sorcière à mes balais. Mais si! Parce que justement, c'est ça qui est très fort, parce qu'il y a le visuel qui va contre. Ah bon? Moi, sur le balai, je vois une superbe sorcière qui tient son balai comme un cavalier un soir de bal. Ah, ça, en revanche, j'aime beaucoup cette image, oui. Et on pourrait écrire quelque chose du genre, avec les balais pichardos, c'est un prince charmant que vous avez entre les mains. Hein? Avec les balais pichardos, c'est un prince charmant que vous avez entre les mains? Oui. Et vous trouvez ça bon? Oui, non. Enfin, non, vous plaisantez? Vous plaisantez? Moi, je veux bien me commettre dans la publicité. À condition qu'on me respecte, hein, parce que moi je fais ça en attendant d'avoir le prix Goncourt, une fois ou deux ans. Et pour vivre. Mais alors si c'est pour faire de la pornographie, hein, non, mais tu trouvais quelqu'un d'autre, hein. Oh non, je suis désolé, Marc. Vraiment, je suis désolé. Je ne voulais pas vous blesser, moi j'ai dit ça, vraiment. Alors je veux bien vous excuser, mais alors c'est la dernière fois. D'accord.
Parce que j'ai peut-être mauvais caractère, mais je suis un artiste avant tout, moi. Un artiste. Oh, mais je sais bien, vous avez une sensibilité à fleur de peau, juste là, comme ça. Pouf. Exactement, alors commencez dans la cuisine, j'arrive. D'accord. D'accord, je vais me préparer. Voilà. Comme ça. Regardez. C'est joli. Ouais, je sens que je retrouve l'inspiration. C'est vrai. Oh, c'est merveilleux. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une muse. Une muse? Oui. Rien que le mot m'amuse. C'est vrai. Bon, alors vous ne venez pas avec moi dans la... Non, j'ai besoin de retrouver ma source de création, oui. Bon, alors j'y vais, alors. J'aimerais vous voir en action. Elle m'énerve. On peut jamais être tranquille. Oh, Marc, alors là, si c'est la grosse de l'autre jour, alors là, c'est très grave, faut que vous me protégiez. Vous que ce soit la grosse? Non, mais ça, on ne sait pas. Hein. Non, puis si c'est elle, mon compte est bon, tenez, faut que je me cache. Où je me cache? De toute façon, vous risquez plus rien, elle est sur roulette maintenant. Oh, Marc, excusez-moi, c'est pas ma faute si je suis en retard pour le ménage. C'est à cause de Gérard. Gérard, il a été agressé ce matin. Ça va, mon Gérard? Tu veux pas encore un peu de glace? Non, mais c'est parce que ça pique avec la glace. Ah bon? Oui. En tout cas, tu ne racontes pas d'histoire, tu te sens mieux. Mais oui, beaucoup mieux, Karine, je t'assure, c'est un petit peu... Oh, mais quelle histoire! Quelle histoire! Heureusement que je suis passée par là pour embrasser ma filleule. Et tu te rappelles pas ce qui s'est passé? Mais non, j'ai juste vu arriver ce coup de poing, c'est tout. Enfin, derrière le coup de poing, il y avait bien quelqu'un. Bah oui. Alors, vous le connaissiez, Gérard? Ben non. Et il t'a rien dit? Ben non. Complètement fou. Attends, ça signifie que... T'as ouvert la porte et puis boum! 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 Oh, mon pauvre Gérard, il y a vraiment des détraqués dans la vie. T'es sûr que ça va bien, Gérard? Mais oui, pourquoi, ma... Elle est incroyable, ton histoire. Oui. Où t'as vu que ça existait, toi? Quelqu'un qui frappe à ta porte comme ça et sans dire un mot, qui te fiche son poing dans la figure? Mais oui, mais Marc, c'est parce que... C'est... Oh! Les filles... Gérard, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la tête. À la tête. Mais oui. T'es mal fait, c'est peut-être dans ma chute que je me suis évanouie. Si vous venez me chercher votre crème, vous savez, celle pour les bosses. Oh oui, Gérard, je vais aller tout de suite. Oui, parce que... un tout petit peu. Oui, mais je vais vous... J'y cours. Marc, si tu pouvais m'ouvrir la porte. Non, parce que j'ai mal, je souffre, Marc, je souffre. Bah oui, ça me lance. Mais ça me lance. Mais oui. Oui. Mais oui, j'ai très mal, tu sais bien. Gérard, qu'est-ce que c'est que ce cire? Aïe, 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 ça me lance, là. Mais oui, mais je sais bien, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éloigner Mme Bellefeuille. Oui, mais j'avais bien compris. Mais pourquoi fallait l'éloigner? Parce que ça s'est pas vraiment passé comme je vous l'ai dit, voilà tout. Ah, j'en étais sûr, j'ai pas arrêté de le répéter. Mais alors pourquoi tu nous as raconté toutes ces histoires? Mais parce que... Bah, j'ai pas tout bien compris, mais à mon avis, ce type, c'est pas moi qui venais chercher, mais Adeline. Adeline? Mais pourquoi? À mon avis, la petite, elle est dans une salle d'histoire. Hein? Il est venu, il l'a demandé. Et flan! Comme ça, sans raison! Oui, il a même pas laissé le temps de m'écouter. Oh, mais attends, Gérard, ce type, il avait quel genre? Ben, genre... beau garçon, tu vois, grand, brun, du genre Hidalgo. Ben, avec un côté dealer... Oh! Ah ben, mon Dieu! Adeline serait compromise dans une affaire de truc? Ben, tu sais... Attention à la marche! Doucement! Mais ça va, je vous dis, je vous assure que ça va. Je sais pas, c'est sûr, ça va, ça a l'air. T'es blanc comme un linge, Gérard. T'es sûr que t'as pas la tête qui tourne? Mais non, Karen, c'est parce que je me suis levée trop vite du canapé, c'est Mais tout. Quelle idée d'avoir voulu redescendre aussi vite aussi, Gérard! Mais qu'est-ce que tu veux, Claire? C'est comme ça. Si je suis pas là, s'il se passe quoi que ce soit, ben, c'est un truc qui a perdu ma place, oh, ça, tu comprends? Allez, viens. Bon! Vous avancez, là! Vous bloquez les portes! Attends, c'est quoi? Aller tranquillement et confortablement derrière le comptoir. Oh, regarde-moi sortir un canard. Attends, surtout que tu vas poser ça suffit, ton petit derrière de reine là. Tu vas te coincer contre moi. Voilà, propre. Ça va, Marc, pas trop fatigué? Non, je voudrais bien aider à porter Gérard, mais vous savez, à cause de mon dos, je suis fragile, quoi. Mais c'est votre dos. Oui, il a bon dos, votre dos. Écoutez, s'il est si fragile, il aurait peut-être été plus prudent que vous restiez à l'appartement, non? Non, si je fais attention, ça va bien. Je porte juste que des charges légères. Allez, mon petit Gérard, couvre-toi. Prends pas froid. T'es sûr, ça va? Mais oui, ça va. Puis tu sais, c'est pas mal plus à plaindre. Ah non, c'est Adeline, crois-moi. C'est quand même incroyable, cette histoire. Non, franchement, j'arrive pas à le croire. Adeline en rapport avec des dealers. Non, Gérard, t'es sûr de ce que t'avances? Mais attention, c'est pas exactement ce que j'ai dit non plus, hein. Non, mais vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Enfin, surtout d'elle. D'ailleurs. Moi, je suis spécialiste pour les drogués. Oh, quand je pense que Vincent est en relation avec une droguée, c'est horrible. Ah ben, vous êtes là, Gérard?
c'est à la veille. Ah, mais tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe? C'est un meeting? Vous faites une de ces têtes d'enterrement. Ah bah, faut dire, c'est pas drôle, hein. Gérard a été agressé. Ah. Bon, en attendant, je vous le confie à toutes les deux, parce que moi, il faut que j'aille prévenir Adeline, et je sais même pas où elle est. Alors, Adeline, elle est là, Adeline. Où ça? Bah, à côté, avec Vincent. Quoi? Adeline est à côté avec mon fils Vincent? J'y vais. Non, mais madame Bellefeuille, si Adeline est là, moi, il faut que je lui parle. Bah oui, faut que je la prévienne. Oui. Écoutez, madame Bellefeuille, hein. Non, merci, Karine. Allez, allons-y. Non, mais vous n'avez pas honte, ma petite, vous n'avez pas honte. Mais arrêtez, laissez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle histoire? Bien sûr, on ne veut comprendre que ce qu'on veut bien comprendre. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, c'est Gérard qui m'a dit que je pouvais venir quand je voulais ici, et puis j'en aurais profité pour piquer une tête dans la piscine. Bien sûr, et là tu vas te baigner, tout habillé. Ben justement, on discutait, j'y allais là. Ouais. Et toi, comment oses-tu laisser mon fils tout seul à côté de la piscine alors qu'il sait même pas nager? Mais calme-toi, Claire, écoute, tu exagères. Ça lui fait beaucoup de bien d'être ici dans la salle de sport. Ça lui fait du bien de parler à une droguée, peut-être? Hein? Non, mais ça va pas. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, je vais vous pulvériser si vous dites. Vous parlez là, de quoi vous parlez? Demande à Gérard. Gérard. Non mais, oui. Non mais c'est pas exactement ça, c'est que moi j'ai simplement dit que je m'étais fait assommer par un type, tu vois, qui avait l'air un petit peu bizarre, c'est quel tout. Type? Je sais pas, mais il m'a pas dit son nom. Mais je sais pas, quelle tête il a, comment il est? Mais il est plutôt mignon, tu vois, un grand brun du genre Hidalgo, avec un côté dealer, je dois bien reconnaître. Oh non, faites que ce soit pas Jean-Luc. Oh non, pas Jean-Luc. Je suis vraiment désolée, ma petite Aline, de ce qui s'est passé entre nous. Je vous assure, Claire, arrêtez, ça va. N'en parlons plus. Tout de même, parler de ma petite chérie comme d'une droguée. On a dit qu'on n'en parlait plus, Georgette. Oui, mais moi, à ta place, je ne sais pas si je l'aurais aussi bien pris. Georgette, tu n'es pas à ma place, alors... Franchement, moi, Adeline, j'y ai jamais cru. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Marc? J'ai seulement trouvé qu'il avait une tête bizarre, ce Jean-Luc, c'est tout. Mais oui, Gérard, je te comprends. C'est vrai que la première fois qu'on le voit, il a un physique qui peut paraître étrange. Pourquoi? Il est si beau que ça? C'est vrai qu'il est beau, mais tu vois, c'est le genre brun ténébreux qui a un physique qui peut peut-être inquiéter. Mais Jean-Luc, ce n'est pas ce garçon que tu m'avais présenté à la fête de Quimper? Un petit gros brun avec des lunettes? Pas du tout, ça c'est Jean-François. Je l'ai toujours dit, les bruns c'est un côté mafieux, glauque. Tandis que les blonds, avec les blonds, on est plus tranquille. On lit en eux comme dans un livre ouvert. Regardez-moi. Allez. Enfin, en tous les cas, pour Jean-Luc, il n'arrive pas à se faire à la vérité et je ne sais pas comment je vais faire pour me dépêtrer de cette histoire. Excusez mon indiscrétion, Adeline, mais ce Jean-Luc, c'est qui par rapport à votre personne? Vous n'êtes pas indiscrète, Claire. C'est un ex, c'est-à-dire c'est un garçon avec qui je suis restée fiancée une bonne année. Oh. Évidemment, on croyait que c'était pour la vie, mais je me suis vite aperçue qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Oh. Mais alors, c'est une vieille histoire? C'est un garçon que t'as rencontré il y a très très longtemps avant de venir habiter chez moi, et même bien avant la fête de Quimper. Oui, mais visiblement, le temps ne change rien pour lui. Il n'a pas compris ma décision. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Ah, vous inquiétez pas, Adeline. Le hasard vous a fait croiser ma route. Maintenant, vous n'avez plus à vous en faire. Je suis là pour vous protéger. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui habite avec Adeline. Tu ne crois pas capable de la protéger? C'est ça. Je veux dire que c'est une affaire qui sera grand homme, c'est tout. Ne bougez pas. J'y vais. Admirez le travail. Adeline! Adeline! Quelle est la lumière? Adeline, ma chérie, je t'en supplie, il faut que tu m'écoutes. Allô? Ça va, non? Allô? Pas. Oh, mais je fais pas exprès, Marc. Mais si vous arrêtiez de bouger comme ça sans arrêt, je pourrais faire que. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a ouvert la porte et boum! Je suis vraiment désolée. C'est vraiment à cause de moi que tout ça arrive. Mais non, Adeline. Mais si, je vous envahis en plus. Pas du tout, je vous assure. Non, puis on commence à avoir une certaine expérience pour soigner ce genre de boss. Ouais, mais enfin là, je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une trousse à la pharmacie, hein. Je pense pas que ce soit le moment, Adeline. À mon avis, ton Jean-Luc, il reviendra plus. Bon, ça c'est sûr, on le reverra plus. Mais enfin, faut le comprendre, ce garçon aussi. Mais il est malheureux, c'est tout. Mais je m'en fiche, moi, qu'il soit malheureux. Ça l'excuse pas du tout. Enfin, tu sais, Marc, à condition de pas se trouver derrière la porte, moi, je trouvais ça plutôt noble comme geste. Tu vois, si j'étais un garçon, c'est comme ça que je me conduirais. Gérard, je t'adore. T'as été formidable. Absolument, Gérard. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est allé trouver Jean-Luc. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais en tous les cas, il a compris. Ouais, tu sais, j'ai pas de mérite. C'est pas difficile de parler à quelqu'un qui a le cœur brisé. Oui, en tout cas, Gérard, vous avez été extraordinaire. Vous avez trouvé les mots qu'il faut pour le calmer et le rendre à la raison. Bravo, Gérard. Mais oui, Madame Bellefeuille, s'il m'avait écouté la première fois, mais j'aurais réglé son problème en moins de deux. Seulement. En tous les cas, heureusement que c'est Marc qui a ouvert la seconde fois. Hein. Oui. Merci, Marc. Ouais, enfin, c'est normal pour un chevalier servant tel que moi. D'ailleurs, puisque je vous ai sauvé la vie. Pardon ? Enfin, presque. Oui. Vous accepteriez de dîner avec moi ? Oui, pourquoi pas. Bah, ce soir, alors, allons-y. Ah non, ce soir, je suis déjà prise. Je dîne avec un charmant jeune homme. Ça m'étonnait aussi. Ah, voilà, je suis prêt. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, Saint-Vincent ? Je suis prêt ? Bah, tu dînes pas ? Aujourd'hui, c'est samedi, alors y a boum comme d'habitude, c'est ça ? Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est une boum accompagnée, alors j'ai demandé à Adeline si elle voulait bien venir. Elle a accepté, c'est tout.